Stand so close, what feels like miles. And see the distance in your eyes. Where we are, times where we were. Dreams now heading in reverse. I guess I seem so strong. But it hurts me just as wrong. And though I try and hide, it's hard to mask what's inside. Leading with my head instead of my heart. Guarding all the pieces so they don't tear apart. Building these borders to keep myself safe. Afraid to break down. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un vlog. Donc là je suis à l'aéroport avec ma maman. Direction Londres, puis après de Londres on ira à Miami. Donc je suis trop pressée et j'espère que ça vous plaît. Ouais. Non mais regardez-moi ça. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Coucou tout le monde, du coup là on est au deuxième jour, il est 17h et on est rentré à la chambre se doucher. Donc j'ai encore les cheveux mouillés et je viens de me maquiller et j'ai pris des gros coups de soleil aujourd'hui. En fait à Miami le soleil il tape tellement fort, je suis choquée. Ce matin on était à la mer et on n'est pas resté très longtemps parce qu'il y avait énormément d'algues. Donc je sais pas si c'est juste en ce moment ou si c'est tout le temps comme ça. On va aller faire du shopping du coup au Lincoln Road Mall à Miami Beach du coup. C'est pas très loin de chez nous, à ce qui paraît il y a des beaux magasins et c'est assez sympa. Pour le moment Miami j'adore, c'est trop beau. Il y a chaque coin de rue qui est instagrammable, c'est abusé. Je sors toutes les deux secondes mon téléphone pour prendre des photos parce que je trouve ça ouf en fait, j'ai pas l'impression d'être là. Résultat de ce shopping, j'ai craqué, mais genre des trucs qui sont pas en France, donc je suis fière de moi. J'ai acheté chez Sephora et chez Victoria's Secret bien sûr, donc des sous-vêtements et un petit short. Et chez Sephora, je vais vous montrer ça. En fait, j'ai acheté que des trucs qu'on n'a pas chez nous, donc du tartre. J'ai craqué aussi pour des chaussures de chez Steve Madden. Mais ils n'avaient pas ma taille, du coup ils les ont commandées. Et normalement je devrais les recevoir dans 2 ou 3 jours. Donc je vous montrerai quand je les aurai reçues. Et il y a moyen que je fasse un petit haul de Miami. Demain on se réveille très tôt, on se réveille à 6h. Parce qu'on va passer la journée à Key West. Il y en a 3h du bus. Et du coup je suis allée là-bas parce que genre il y a plein d'abonnés qui m'ont dit va là-bas, va là-bas, va là-bas. Du coup on y va demain, j'espère que ce sera cool parce que je vous ai écouté. Vous savez à quel point j'aime les levées, les couchers de soleil. Ben, regardez le ciel comme il est beau.
Freeway. Et genre le problème c'est que le bus c'est grave long. Mais bon au final genre la ville est super belle. En fait on a pris un petit bus qui nous a fait faire le tour de l'île. En mode on dirait que c'est un village, un faux village. Genre on dirait que c'est mis en scène. Genre c'est tout comme dans les films. De découvrir les meilleures glaces de tout le monde entier. Les glaces. Ça en fait, c'est des glaces des comme glaces. Ça. Des glaces, des glaces. En gros, c'est des glaces comme. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec les glaces? En gros, c'est des sucettes comme ça. Moi, j'ai pris bubble gum et ma mère, elle a un fraise et c'est trop, trop bon, genre vraiment. Il fait un peu gris mais c'est pas grave parce que du coup on va aller dans un centre commercial. On va aller à Ventura Mall, je crois que ça s'appelle. Que je vais goûter Shake Shack. Oh putain. C'est une tuerie. C'est trop bon. Qu'aujourd'hui on n'a pas fait grand chose à part bronzer, se baigner. J'ai même pris un petit coup de soleil là. Demain je vais faire un truc de malade. Je suis trop pressée. Aujourd'hui on a un truc de fou de prévu. Comment tu te sens maman avant le décollage? Ça va, ça va faire peur. Je suis tout devant. Et en plus j'ai le vertige. Hier soir du coup on est allé manger au resto et j'ai retrouvé une abonnée qui a fait son stage à Miami. Elle était avec une copine à elle et franchement c'était trop trop bien. Ce matin du coup on va aller voir le match France-Croatie dans un restaurant français. Super Grisou face à Super Souma.
Regardez, c'est trop sympa, genre la viande elle est suspendue au truc là. C'était dans un magasin de bonbons pour la gourmande. Regardez tous ces bonbons. On n'est pas d'accord, genre meilleur chewing-gum du monde. C'est un truc qu'il faut absolument voir à ce qu'il paraît. C'est un endroit où il y a plein de graffitis sur les murs et c'est genre Art District. Donc on va voir ce que ça vaut. Je suis grave pressée de voir ça et peut-être de voir des belles photos. Amoureuse de cet endroit, regardez comme c'est trop beau. Il y a plein de couleurs, plein de graffitis. Les gars, c'est tellement bon. Un des meilleurs trucs ici. Alors vous savez, on a fait beaucoup de shopping ici. Est-ce que vous savez ce qu'on a dû faire? On a dû acheter deux petites valises qui rentrent dans la cabine, dans l'avion, pour mettre nos affaires en plus, parce qu'on a acheté trop de chaussures et trop d'affaires. C'était trop bien et j'espère que mon vlog va vous plaire parce que je vais mettre beaucoup d'envie dedans et que j'ai passé du temps et que j'ai saoulé ma mère pour me filmer. Donc voilà, je fais plein de bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures.